Forte de 10 années d'expérience et de nombreux succès, seule ou en collaboration avec d'autres équipes, la Super Hero Space Section est le club de fusées expérimentales étudiantes de l'ISAE Super Hero. Elle s'est illustrée par de nombreux lancements réussis, que ce soit des fusées entièrement réalisées au club au sein du programme Scalar, ou avec le CNES, en participant au programme SERA de Perseus. Unité mise à feu. Ces lancements sont l'aboutissement du travail de dizaines d'élèves ingénieurs, mais aussi d'étudiants internationaux, du fait de la grande ouverture de l'école à l'étranger. Le club est ouvert à tous les étudiants de l'école qui s'intéressent au lancement de fusées, que ce soit pour travailler sur de la mécanique, de l'électronique, de l'informatique, ou même de la communication. C'est aussi une excellente occasion de compléter ses connaissances théoriques acquises par les cours, par une expérience pratique sur des systèmes réels, et ce de la conception jusqu'au lancement. Aujourd'hui encore, la Super Hero Space Section collabore avec le CNES au sein d'un projet ambitieux pour repousser les limites du programme spatial étudiant. Ce projet, DreamOn, a pour but à long terme de développer un lanceur réutilisable qui revient de se poser près de son pas de tir. Notre collaboration au sein de ce projet est triple. D'une part, nous développons un parachute de secours capable de s'ouvrir à haute vitesse en cas de problème en vol. D'autre part, nous travaillons aussi sur un calculateur au sol, permettant de déterminer quelle est la meilleure trajectoire à suivre. Et enfin, nous travaillons sur un système de grille de contrôle aérodynamique, permettant, en déviant la trajectoire du flux d'air, de piloter la fusée lors de sa redescente. En parallèle, les membres de la Super Hero Space Section travaillent sur le projet AETHER, une fusion entre d'une part le projet Scalar DS, une fusée expérimentale bi-étage bipropulsée dont le lancement est prévu au C-Space en juillet 2021, et d'autre part, le projet Griffon, un moteur de fusée hybride propre au club, dont le test statique est prévu pour la rentrée 2020. Ce nouveau programme sera la première fusée supersonique du club, mais aussi l'occasion d'explorer de nouvelles technologies, telles que l'allumage par arc électrique, le drug shoot, les capteurs de santé mécanique et bien d'autres encore. À la rentrée prochaine, nous espérons accueillir de nombreux nouveaux étudiants pour venir travailler avec nous.